What's up YouTube, c'est Joe Bike Life. Donc ça faisait un petit moment les gars qu'on n'avait pas sorti de vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une présentation d'un petit outil pour ceux qui font pas mal de route ou même ceux qui ont envie d'équiper leur moto de CarPlay. Donc on se retrouve avec la SRT 700 de chez QJ Motor. Donc, très bonne machine au passage, un bon trail polyvalent. Disponible à l'essai chez Joe Moto, évidemment, là où je travaille. Donc je remercie mon patron qui m'a laissé la machine pour faire la présentation en même temps du CarPuride. Donc le CarPuride, c'est quoi? C'est une tablette connectée qui fait CarPlay et Android, pour ceux qui ont des téléphones Android tout simplement. Donc dans la boîte, je vous montre tout de suite ce qu'il y a de fourni. Donc bon, là, j'ai enlevé toutes les mousses de présentation et tout, mais vous doutez bien que c'est pas un bordel comme ça. On a le CarPuride, donc la tablette connectée étanche IP66, je crois. Donc, il me semble que c'est écrit dessus. IP67, pardon. Donc, c'est étanche. Vous pouvez rouler sous l'eau, il n'y a pas de souci. Un petit manuel de montage avec tout d'expliqué dedans. Vous avez possibilité ou de le brancher direct sur la batterie, ce que je conseille pas, mais plus en après-contact, ou pour ceux qui ont des prises USB de monter sur leur véhicule, et ben vous avez tout simplement l'adaptateur USB qui se connecte à là. Et si jamais vous avez peur de laisser la tablette branchée sur la moto, et ben c'est tout con, hein. Vous avez juste à la dévisser, vous l'embarquez avec vous dans votre sac ou n'importe si vous partez faire des courses et vous n'avez pas envie de vous la faire voler. On va passer au montage. Donc moi, ce qui est bien sur les SRT 700, c'est que d'origine, on a une prise USB juste ici. On va essayer de venir le fixer sur la barre de la bulle et on va voir ce que ça donne. Donc c'est du live, hein, et j'ai pas déjà démonté le truc, donc ça va peut-être prendre un peu de temps. Je vais voir comment je pourrai le monter. Toc. Alors, je pense qu'on va se servir de ça du coup. Ça est assez simple quand même de montage. Donc pour ceux qui sont pas trop bricoleurs, vous inquiétez pas. Et voilà les amis, donc le CarPuride est relié, raccordé à la moto par USB. Le montage là, j'ai fait au plus rapide pour vous, mais vous avez possibilité de modifier. Donc ils fournissent avec un petit support là pour se mettre directement sur la barre. Moi je vous fais ça entre midi en rapide, mais voilà, c'est pour que vous vous rendiez compte un peu. Donc c'est vrai que c'est assez costaud, vous voyez, par rapport à l'écran d'origine, c'est plus grand que l'écran d'origine. Et vous allez voir quand je vais allumer la moto, tout qui va s'allumer, ça va être top. Voilà, donc on va mettre le contact. Et voilà, il y a tout qui s'allume en même temps, c'est magnifique. Il y a beaucoup de soleil, donc franchement la luminosité est vraiment pas mal. Elle est automatique, donc sur la version pro, alors attendez, parce que je découvre en même temps que vous. Donc vous voyez là, vous avez le CarPlay. Si je veux jouer avec la luminosité, je peux encore l'augmenter un petit peu, mais elle est automatique en fonction de la lumière qui se trouve là où vous roulez. Donc si vous roulez de nuit, forcément ça se baissera. Qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est le menu principal de la tablette. Donc vous avez accès directement à vos musiques. Vous avez possibilité de mettre une carte SD, donc vous pouvez regarder des films, de mettre des musiques, tout ça, donc sur la carte SD pour que le CarPuride le lise. Vous avez possibilité aussi de connecter deux intercoms directement au CarPuride. Donc nous on est sur Android Auto, non c'est pas ça, c'est ePlay, voilà. Donc on va regarder, hein. Vous avez accès facilement à vos musiques, vos albums, enfin vous avez vraiment de tout. La tablette réagit assez bien, elle est super fluide, rapide.
Donc après, donc forcément, si vous avez des logiciels comme moi j'ai Kalimoto, bah vous pouvez les lancer. Franchement, c'est top. Possibilité de d'avoir accès à vos messages. Voilà. Vous avez vos téléphones directement, vos appels et tout. Et bon, c'est déjà pas mal, hein. J'ai encore pas mal de choses à voir. Hein. Si vous lancez Google Maps, vous rentrez une adresse par exemple, Salbris, pour ceux qui connaissent. Voilà. Bon, à savoir que je capte très très mal chez moi, hein. Donc s'il y a des petits bugs, c'est normal. Ok. Je peux pas tourner ça. Bon, apparemment, je peux pas tourner. Donc ça, c'est en fonction de ma position, en fait. Ok. Vous voyez, ça tourne tout seul, quoi. Voilà. Donc on va partir en essai routier et vous allez voir que c'est pas mal. Donc je voulais peut-être pas préciser aussi, mais donc avec la CarPure Ride, vous avez possibilité de vous connecter à deux téléphones en même temps, enfin deux intercoms, parce qu'en fait le téléphone il va se connecter à la tablette et la tablette elle va se connecter au casque, donc l'intercom. Et si vous avez un passager, donc si vous roulez avec votre compagne, votre pote, n'importe, et vous voulez avoir tous les deux les infos ou la musique partagée, bah vous pouvez tous les deux vous connecter à la tablette et donc vous aurez la musique partagée et tout ça, c'est franchement pas mal. Vous avez aussi le baromètre. Alors attendez, je vous montre ça de suite. Faut remonter dans le menu. Car home. Toc. Voilà, vous avez l'altitude qu'il n'y a pas dans la version normale. La pression atmosphérique aussi. Et il y a quoi d'autre? Et oui, donc la luminosité auto-adaptative, pardon, qui se met à jour toute seule, contrairement à la version standard. Donc le CarPure Ride Pro, il est vraiment, franchement complet. Pour moi, il est vraiment pas mal. Toc. Voilà. Donc je vous embête pas plus. On va procéder à l'essai. Je suis en train de me rendre compte que même en ayant monté le truc, on m'a comme ça en déporté. C'est pas dégueu. Franchement, c'est vraiment pas mal. Tip top. À voir une fois que je suis sur la moto, mais voilà. Et donc, bien sûr, quand vous recoupez le contact, ça coupe tout. Voilà, les gars. Donc, je vais aller faire un petit essai. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je referai monter, ou si vous en avez acheté un et vous avez un problème, ça m'étonnerait, mais je préfère vous le préciser. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire et je pourrais vous mettre en contact avec le service après-vente. Ok les amis, donc on se retrouve quelques jours après le début de cette vidéo. Donc désolé, mais à cause du temps, bah, j'ai pas pu vous filmer grand-chose. Donc on se retrouve avec la SRT 700 de chez QJ Motor, donc un trail routier. Qui franchement n'a rien à envier à ses concurrentes qui coûtent pour la plupart 4 ou 5 000 euros de plus. Seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'elle n'a pas de shifter, mais bon, soit à la limite, voilà. Elle est équipée de selles chauffantes d'origine, de poignées chauffantes d'origine, d'un GPS qui se connecte dans l'interface du compteur d'origine. Donc, faut juste relier son téléphone en CarPlay et voilà. Donc super moto, hein. Moi franchement je kiffe. Du Brembo d'origine, ça freine bien, c'est souple. Elle existe aussi en version 800, mais moi personnellement je préfère la 700 qui est beaucoup plus coupleuse et l'assise est moins sportive que sur la 800. Donc moi j'aime bien pour trail, chill avec ta conjointe ou autre, c'est vraiment top comme bécane. On va passer tout de suite à l'explication, donc au test du CarPure Ride, donc en direct. J'ai réussi à le paramétrer avec mon casque, donc attendez, je vais allumer le Rurock tout de suite. Voilà,
J'allume le Ruroc. Et dans... Alors attendez. Voilà, en fait, d'office, maintenant, mon Ruroc est... Alors attendez, c'est pas ça. Voilà, mon Ruroc est connecté... en fait, mon téléphone est connecté à la tablette. Et la tablette, elle, est connectée au Ruroc. Ce qui fait que j'ai toutes les informations dans le casque. Donc ça, j'ai un Ruroc, mais ça marche avec n'importe quel intercom. Et donc, ce qui fait que, par exemple, quand je suis sur Waze, et bah, toutes les infos que Waze peut dire, et bah, je les ai directement dans mon casque. Et ça, c'est vraiment top. On va passer à l'essai routier direct. Hein. On va pas en dire plus. Et vous allez voir que franchement, c'est vraiment un bon système de CarPlay et de GPS. Pour ceux qui veulent faire des road trips, franchement, je le conseille. On part, donc bien sûr, hein, comme je vous avais déjà expliqué, tout s'allume et se coupe au démarrage de la moto. Donc voilà, là je démarre la moto, toc, ça s'allume. Et en même temps, ça vient de se connecter dans le casque, je viens de l'entendre. Voilà, son jouet depuis la sortie, Bluetooth trans. Voilà, donc on est parti. La petite béquille centrale d'origine que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Ok. Hop. Petite dédicace à notre école qui vient souvent faire les entretiens chez nous au garage. On va mettre une adresse. On va mettre une adresse et on va essayer de mettre une adresse. Ouais. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément des grands tactiles et la tablette réagit bien, donc ça c'est cool. Rechercher comme un verre de bac, voilà. En direct, il n'y a pas de latence, franchement c'est super. Bon, pour ce qui est de la moto, comme je vous disais tout à l'heure, on a un moteur super coupeux. Elle fait 70 chevaux par là, je crois, de mémoire, mais franchement, je préfère largement rouler cette soupe à 800. En fait, la 800 va aller chercher beaucoup plus dans les régimes, et donc ça la rend un peu moins fun, je trouve, à mon goût. Et là, vous regardez. Franchement, c'est trop bien, j'adore. Il n'y a même pas besoin d'utiliser l'embrayage en première, ça l'est. Non, franchement, j'adore. Super machine. Ensuite, bah, du coup, pour ce qui est de Super Ride, bien sûr, hein, on peut mettre la musique, hein, bien entendu.
va, putain. Voilà, là j'ai un petit fond de musique. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir, on peut régler l'intensité du micro. Donc ça, ça va être pour les appels. Donc c'est plutôt cool. On va revenir sur notre GPS. Désolé si je galère un peu, mais c'est une première, hein, tout simplement. J'ai pas encore eu le temps de bien assimiler tous les paramètres du CarPlay. Bon là, j'utilise un petit raccourci pour éviter les boutons. Allemagne. Ah, la moto elle est vraiment top, hein. Franchement, pour les petits budgets, rapport qualité prix, bon, je ne pouvais pas faire mieux. Et pour ceux de la région 57, n'hésitez pas à passer à la boutique si vous hésitez à vous l'acheter ou autre, allez en essai. Nos véhicules de démo sont en vente actuellement. Donc vous bénéficiez d'une remise par rapport à du neuf alors que ça reste neuf. Voilà, donc deux motos ici à Morsbach. N'hésitez pas à vous passer et on sera ravis de vous présenter les machines. Regardez comment que c'est maniable. Pareil, la fixation du CarQride a fait le taf. Moi pour vous faire la vidéo, je ne suis pas appliqué sur le montage, j'aurais pu faire passer les trucs beaucoup plus propres, hein, mais pour vous donner une idée. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc en remerciant CarQride pour l'envoi du CarQride Pro, hein, pour le test. Franchement, je vous le recommande.
fait de la bonne cam. Merci Joe Moto pour le prêt de la moto, hein, évidemment. Comme je vous le répète, si vous souhaitez essayer des QG moteurs de 700, des 800, des 550, on a vraiment toute la gamme, même les scooters, la TR125 et tout, bah vous n'hésitez pas à passer chez Joe Moto. On sera ravi de vous recevoir et de vous présenter les machines pour que vous puissiez les essayer. Pour ceux qui seraient intéressés pour le Car2Ride, il y aura un lien en description avec sûrement un code promo pour les gens qui viennent de ma part. Donc voilà. Et voilà, donc si vous avez toute autre question dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai. On se dit à bientôt pour un nouveau test. La bise, c'était Joe. Ciao, ciao.